Non, on est avec Mugi. On est avec la Russe. Et on est avec la mère. Et on est avec les claquettes. Et les claquettes chaussettes. Et les Stan Smith. Rien de tel. Le soir comme ça là, le bruit des vagues. Il y a son père. Mis à part de langouste là, là, deux phoques là. Une là et un là. Plus à l'œil. Youssef, il regarde au loin, pensant à son avenir, pensant à Sahlel Luxe. Là, il pense à... Bon, voilà, ça veut dire qu'il envoie un message. Il fait sa petite pub vite fait là. Tout en pensant à son avenir, en regardant loin là-bas, voir ce qui se passe. Et ce doigt-là qui me passe la bague. Tu serais capable de dormir dans ton garage dans ta Fiat 500? Allez, Mugi, t'as l'habitude. De quoi? Vas-y, célèbre. Célèbre, Mugi. Bonne night. Bravo! Happy birthday! Ça y est, dernier après-midi de la petite. Là, on va aller faire du jet. Ah bah oui, parce que elle voulait faire du jet. C'est... Et au final, le temps, il y a un peu trop de vent. Pas de jet. Voilà. On se retrouve à manger. On va aller manger là. On est plutôt pas mal là. Que toi. C'est quoi qui te fait rire? C'est de la verveine. Allez. Bon app. Je te jure, des fois j'ai l'impression de pas avoir de corps. Là j'ai un corps. Et des fois je me mets comme ça, j'ai pas de corps. Là j'ai pas de corps. Là j'ai un corps là. Là j'ai top. Là j'ai un corps là. Quand je suis comme ça, j'ai un corps. Quand je suis comme ça, j'ai plus de corps. Je te jure. Ils ont des abdominaux là, Zabi. Qui aha? Je suis sans la vodka. Je suis un AK. C'est Petrouchka. Vive la radio! Hey, t'as grisé! Voilà la team, j'ai une petite annonce à vous faire. Il y a un superbe restaurant parisien, donc ça s'appelle le Godfather, c'est dans le Paris 12e. Ils recherchent une community manager qui est expert dans son domaine. Donc pour toute candidature, il faut vous envoyer un message privé sur la page Instagram là, que je vais vous notifier là, dans la story. N'hésitez pas, c'est un superbe restaurant en plus. Bon, ça y est, là, ma petite Russe, elle est repartie. Direction Argelès. Elle a fait le tour de la France, là, pendant une semaine. Une vraie vaillante. Et voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de la voir. Là, le 28, c'est mon petit frère qui débarque aussi. Donc voilà, après, il y a mes parents qui arrivent aussi au mois de juillet. Ça va être un bon petit été, je pense.